Hey, salut tout le monde, de retour pour cet épisode 2. On reprend exactement là où là où on est resté la dernière fois. Juste représenter un poil l'effectif. Donc on a tout ensemble, toujours Eden Hazard qu'on met sur l'aile droite parce qu'on n'a pas grand monde à foutre à sa place. On a modifié notre milieu de terrain, donc Wijnaldum avec De Rossi, Robertson à gauche, donc voilà. J'ai modifié par contre ma liste de remplaçants. J'essaie de mettre ce que j'avais de mieux en fait dans l'effectif actuellement. Et là, pour cet épisode, je pense qu'on va tout simplement commencer les matchs contre d'autres joueurs. Tout simplement, en commençant peut-être par un match amical, pour que ça, histoire que ça me coûte pas vraiment dans les statistiques. On est toujours à 22 100 gold. Le but, ça va être de packer, tout simplement, d'ouvrir un pack avant à la fin de cet épisode. Donc voilà, on va lancer un match amical. Je crois que c'est bien comme ça qu'on joue avec d'autres joueurs, hein. On va y aller en FR. On va le tenter. Alors, le lobby. Bon, on va prendre celui où il y a le plus de gens. Hop, créer la salle de match, on va dire. Je m'en fous un peu. Là, je découvre, hein. Vraiment, je connais rien. C'est vraiment la première fois que je joue sur un MyClub, que je joue en ligne contre d'autres joueurs. Donc là, c'est en improvisation totale. Pourquoi il y a besoin d'un mot de passe? Je veux pas entrer dans un mot de passe, je veux trouver un joueur contre qui jouer. Bon, visiblement, ça va pas se faire là-dedans. Voir si le FR2 ça marche mieux. Créer la salle de match. Sécurité de salle, bon, on va mettre aucune. Alors, type de. Je pense qu'on s'en fout totalement. Ouais, bon, blessure, temps limite. Je connais rien. On va mettre 10 minutes et en fait, on va y aller tout simplement avec les paramètres basiques. Gestion de l'effectif, j'ai rien besoin de changer. Joueurs prêtés ne peuvent pas jouer en match amical My Club. D'accord. Donc je faut que je dégage Eden Hazard. C'est dommage ça. Eh ben. On va mettre ça et on va enlever Hazard au profit d'un autre joueur offensif. Et ben l'ailier droit tout simplement. On va voir si ça marche comme ça. Sans blague. Donc ça va être un peu galère cette histoire. Donc on va quitter la salle de match. Je veux juste trouver un adversaire. Je sais pas pourquoi ça plante comme ça. Passe requis, ça c'est vraiment naze. Peut-être des mecs qui se font des salons privés. Créer la salle, du coup, ça m'intéresse pas parce qu'il derrière il faut inviter des joueurs. Inviter des amis et je n'ai aucun joueur de PES parmi mes amis. On va tenter chez les Anglais voir si ça se passe mieux. Un sur deux, peut-être que lui il attend un joueur. On va peut-être pouvoir jouer contre lui. Par contre, ouais, ne jouer sans Eden Hazard, ça va être un peu chiant. J'ai vraiment. Sur le front de l'attaque, je vais avoir rien du tout. Heureusement que je vais avoir un milieu de terrain quand même relativement correct. Et un arrière-gauche. Mais bon, pas de gardien, pas de défense centrale, pas d'attaque. Ça va être compliqué quand même. Enfin, peut-être que j'appuie sur entrée tout de suite. Eh ben, parfait. Commencer le match. Pris l'Atalanta. Intéressant. Puissance d'équipe, il est légèrement au-dessus. Enfin, encore je dis légèrement, j'en sais rien du tout. Ça se trouve, 1610,
C'est assez effroyable par rapport à 1575, j'en ai aucune idée. Donc je dois attendre que le mec sélectionne commencer le match. Espérant qu'il soit pas parti se faire à manger ou faire un truc long. Parce que s'il est AFK pendant un quart d'heure, cet épisode va être très très long et particulièrement inintéressant. Allô, allô. S'il te plaît. Je veux juste jouer. Aïe, 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 aïe. Allez, tant pis. Tant pis, on va essayer de trouver plus rapide parce qu'on va pas pouvoir, on va pas passer 10 minutes juste pour sélectionner. On a un match à jouer. Ah, il y en a un autre. Un autre qui est tout seul en espérant qu'il soit plus réactif. Mot de passe requis. Oh. Pas vrai. C'est tout ce qu'il y avait, hein. Attendez. Peut-être voir les autres. Non, là ils sont déjà en 2 contre 2. Ok, là ils sont 4. S'ils sont 2, 2, 7. Voilà, 2 contre 2. Enfin, 2-2. Bref. Ah là, il y a un nombre impair. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont greffés dessus depuis Final Prayer? Non, il y a toujours un. Est-ce que c'est celui qui nous a recalé parce qu'il avait besoin d'un mot de passe? Ah, ça a pas l'air. Oula, par contre, ou la puissance d'équipe, je vais me faire rouler dessus. Là, par contre, j'ai aucun doute, hein, apparemment, sur la différence de force d'équipe. Là, a priori, le double, ça doit commencer à piquer un peu. Donc l'autre, avec ses 1600, c'était potentiellement une équipe équilibrée avec la mienne, du coup. Bon, c'est super joyeux hein, de partir en amical, ça a l'air extrêmement pratique et très très intéressant. Ouais, ça peut-être pas grand chose d'attendre. Oh, puis alors, surtout pour me faire rouler dessus proprement. Est-ce qu'il y a un autre. Le maestro, c'est celui qui m'a dégagé parce qu'il avait besoin d'un mot de passe. Oui, c'est complètement lui. Ah, il y en a un autre là. C'est passé. Je crois que je m'étais fait recaler avant hein, pour le mot de passe. Donc a priori, quand on rentre sur le menu du match, ça a l'air plus ou moins bon. Pareil, un 3400 quasiment. Je vais me faire défoncer. Ah, ça a marché. Bon ben voilà, quitte à me faire rouler dessus, je m'en fous. L'important c'est de jouer. Je pense qu'hier, vous avez eu sur l'épisode précédent un petit aperçu de mon niveau de jeu, où j'ai été relativement moyen au niveau normal contre l'IA. Donc là, je me teste. C'est vraiment, c'est mon premier match en fait contre un autre joueur. Allez, pas perdre plus de temps. Donc qu'est-ce qu'il a un peu d'intéressant dans son équipe? Wan-Bissaka, Renato Sanchez, Totti. Pas vilain. Et nous, on doit faire sans Eden Hazard.
En espérant qu'il prenne pas 3 heures pour gérer son équipe. Ah, il lui reste 1 minute concrètement pour faire ce qu'il a à faire avant que ça nous annule le match, je pense. À moins que ça nous fasse commencer automatiquement. On attend. Ah, c'est pas possible, on va pas avoir aussi peu de bol. Ah, mettre 10 minutes avant de faire le premier match. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, De Rossi porte le numéro 16 à Grenoble, sachant que c'est pas possible normalement en Ligue 1 ou en Ligue 2. 16, c'est forcément un gardien. Je sais pas si on a moyen de modifier les numéros des joueurs ou si on les a random comme ça. Voilà, Bonsoir c'est à tous et parti. merci de nous rejoindre pour Je vais cette essayer de rencontre. résister au Les équipes sont maximum, arrivées il y a un peu plus d'une nous heure maintenant. jauger, Elles se je trouve sont ça, je trouve ça va échauffées très dans de bien se bonnes passer. conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon Ok, puisse déjà il a bien voulu aller taquiner niveau rapidement. dribble. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un Allez. peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, Partir. pas de goutte. Ouf. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. On peut y aller. Clavé. Quelle parade. La parade. Quel niveau de dribble, il a l'air d'essayer de taquiner. Ça Bravo. Marche. Non. Bon, il arrive à se mettre première fois en position de frappe. Premier corner dans cette rencontre. C'est joué court à deux. Oh, le bon ballon. Oh, Totti. Totti. Ça, c'était une occasion, elle est manquée. Pas vraiment ce qu'il a tenté là-dessus. Peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Oh, Totti. Le bon dribble. Ah, la bonne Ça n'a pas intervention. fonctionné, mais c'était une action digne de son Ah. talent. Je Oui, pensais pas mais que je l'aurais. mauvaise décision au final. Dommage. Allez. Ah non, très mal La donné passe dans celle-là. la profondeur. Dommage. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Totti. Non. Ah, c'est pas possible. C'était vraiment la grande classe. C'est tout simplement incroyable. Ah, il y a les trois. Et voici l'ouverture. Ah, je peux pas passer. C'est son but, c'est à lui. Au 2, hein, parce que je viens d'appuyer, ça a marché. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette Ah rencontre. non. Essaye de construire. Allez jusqu'au bout. Oh, elle frappe. Oh, ah, ça part bien de loin quand ça, même. Chapeau. Les shoots, ça marche. De la tête. Oh, tête, bel arrêt. Quelle classe. C'était un arrêt ah, il est propre celui-là, même si la tête est complètement axiale. Non, comment ça passe à travers toute la défense, ça? Ah, il va shooter, il va tirer. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là, et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Allez, on va essayer de jouer un petit peu en passe. Oh, il a bien timé son tacle parce que je pense qu'il le mettait un poil plus tard, il attrapait que les jambes. Il a tombé un joueur en série. Ouh! Il a tiré en plein pendant ma sortie, heureusement que ça passe à côté. On prend de la tête, mais l'attaquant n'a pas pu refaire grand chose. Ah, je voulais. Je voulais passer le ballon sur le côté, ça n'a pas été pris en compte.
Allez, bonne récupération. Allez, il va pas falloir faire. Donc ça va partir. La merde vite. Sur le renvoi. Non. Ouais, c'était bien dans les très la très passe, mal. C'était pas assez précise. Très très mal jaugé. Hernandez. Quelle vitesse, impressionnant. Elle continue sa course. Il est rapide lui. Et surtout si mon joueur prend 50 ans de retard. Au moment où je dois le changer. Au moment où j'ai fait le changement de joueur, j'ai l'impression qu'il s'est complètement arrêté. Pour rattraper un mec en pleine course, c'est pas évident. C'est chaud sur ce corner. La tête ! Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Bon, on est archi dominé, hein. Je vais essayer. Essayer de faire quelque chose, essayer de combiner 2-3 petites passes. Ils ont beau être menés au score, on sait qu'ils ont le potentiel. Essayer de gratter. Oh là là, c'est pas... il est partout un peu le mec. Hein. Il est partout. Le temps de se lamenter, il lâche rien. Loftus cheek. Ça joue long. Ah, ouais. Ça peut partir en contre. Ah, c'est pas. Il cède sous la pression. Vraiment falloir que je progresse en protection de balle. Sinon, niveau action offensive, on n'est pas prêt de s'en créer. Oh, pas prêt de se créer quoi que ce soit. Elle passait pas. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe, ça leur a ouvert le chemin du but. Tenter de relancer court. Wijnaldum. Grenoble va sans doute chercher à égaliser avant la pause. Ce serait bien pour la suite. On n'a pas le temps. Pas le temps, hein. Pas le temps de faire grand chose. Hein. Allez, s'il peut dévier de la tête. Ah, c'est bon, on va l'avoir. Allez. Ah, dommage. Allez. Ça part bien. Juste si ça mettre une première frappe quand même dans le match. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, faut soigner ses frappes. Qu'est-ce qu'il me fait? Save. Frappe lointaine tentée. Waouh, j'ai gagné des golds parce que j'ai tenté un tir. Le jeu a vraiment pitié de moi, c'est abusé. Et là, l'autre en face, il a l'air de commencer à tenter les gris-gris, les dribbles. Moi, je sais pas faire, je suis un débutant, ça sert à rien de me faire ça. Et ce ballon encore écarté, il domine carrément en ce moment, il s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Peut-être l'occasion pour Totti. Allez, oh, allez. Non, mais c'est pas possible. Sérieusement, la première, premier ballon que je sens bien pour le contre, c'est l'habitant. Bon, niveau possession, on n'est pas si mal que ça. 42%, bon, ça reste naze. Hein. On se tire, par contre. Il n'y a pas photo. Hein. Je pense la force de frappe est de son côté, largement. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Grenoble n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. C'est de faire tourner lorsque... ce que ça peut donner. À essayer de bien déplacer son bloc. Non. C'est quoi ce contrôle de merde? Sérieusement? Quand vous voulez que je puisse lancer une attaque si le mec il réussit? Enfin, il réussit pas un contrôle. Je fais tourner tranquillement et sur une passe, le mec il va me faire un contrôle à 4 mètres. Bon retour. Loftus cheek. Totti. Il prend sa chance. Ah, le mec il va me guaquer, j'ai eu le ballon pendant 10 secondes, il va essayer de me faire mal. Peut-être une occasion pour Totti. Il joue en retrait. McTominay. Aïe aïe aïe, je le sens arriver le deuxième. Peut-être une occasion pour frapper là.
Ouh, merci le poteau. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Je sais pas vraiment ce qu'il faudrait adopter comme style de jeu là, s'il faut mettre du plus direct. Je peux pas partir en contre-attaque parce que j'ai devant, j'ai rien, j'ai pas de vitesse, j'ai que dalle. Totti. Totti. Oh, quelle frappe à quelques centimètres. Calu, en gros, il a décidé de jouer comme ça, mettre frappe sur frappe à l'entrée de la surface. C'est pas lui que je voulais la donner, c'était un. Ok, d'accord. Trop d'interceptions. Par-dessus les défenseurs. Non. Ouh, merci le gardien. Mais pourquoi il relance le ballon à la main comme ça, lui? C'est pas une touche? Non mais. Oh là là, oh là. Putain, il l'attend de loin, je comprends pas pourquoi. Là il a. Là il mettait le ballon à son. En avançant, j'étais en mort. Il a trébuché sur cette intervention. S'il le trouve, ça peut être extrêmement dangereux. Obligé de reculer. Il a tenté, bien joué. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. Ah, dommage. Il fallait intervenir. Ah. Totti. Il y a peut-être un coup à jouer. Lost stick. Faut tirer là. Non. Pourquoi il a mis 40 ans à se coucher? Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Mais d'accord, j'en rends pas. Il a mis 50 ans à se coucher. Il est masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. Mais il est masqué de quoi? On n'est pas OK. Le mec, il est, le joueur est à 15 mètres. Bon, allez, on va remplacer du joueur. Alors, on a un milieu offensif. Hop, on va remplacer. On va partir avec les deux devant. Avec le joueur qui est. Que le recruteur est allé me chercher. Changement, ou plutôt double changement. Donc concrètement, ouais, j'ai aucune chance sur ça. Le mec est. Ça va être intéressant de voir comment il se le mec place. Est beau et plus fort que moi. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont. Mais bon, on va progresser. C'est le but. Il s'échappe. Totti. C'est sans conséquence, mais quel. Et il va falloir trouver un gardien, je pense. Même s'il a fait quand même. Même s'il a fait pas mal d'arrêts, c'est surtout sur des tirs de loin. Là, le but qui vient de s'encaisser. Je suis quand même pas vraiment fan. C'est pif le timing pour la tête, ça a été raté. Redmond. Non, et elle était pour toi? Pourquoi le mec part en profondeur pour laisser passer le ballon? C'est quoi l'intérêt? La même occasion et c'est toujours le même résultat. Allez, les 10 dernières minutes, oui, là-bas. Non mais. Kitarian. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ça maîtrise à lui, hein, parce que la mienne pour l'instant. Renato Sanchez. Ouais, je vais pas faire le rageux en disant que c'est absolument pas là que je mette des passes. C'est. Le jeu. Il donne là où j'en vois, hein. Pas de. Qui choisit la profondeur. Ce contre peut très bien aller au bout. Non, pas. Totti. Dans les lueurs d'espoir des commentateurs. Mais les gars, où. Ah, celui-là, il partait bien. Bien joué. Il a parfaitement profité de l'espace dans l'axe. C'était très bien joué. Allez, si on arrive à mettre une petite déviation et tu parles. Oh, le contre, l'arme fatale dans la profondeur. Robertson. Oh, voilà le coup de sifflet. Et voilà, bon ben, un premier match amical, un joueur, permis de jauger, de voir que mon équipe est très faible encore.
et que beaucoup de progrès à faire sur mon jeu. Donc pas la peine de revoir les ralentis. Et à voir ce que ça a fait gagner en GP. Bon bah ouais, j'ai pas atteint la vingtaine de tirs. Et niveau possession, j'ai quand même réussi à faire tourner, c'était pas bien. Ok, mon attaquant a pas eu un seul ballon. Petite note de 4. Et j'ai rien gagné en fait. J'ai gagné que dalle. J'ai gagné rien du tout. Bon, on va essayer de se trouver. De se trouver une autre salle. Où le mec serait pas un bourrin absolu. ...3900, c'est mort. Surtout c'est pour ne pas gagner. Non mais... sans gagner le GP, c'est un peu chiant. Alors qu'est-ce qu'il a comme puissance d'équipe lui? 4000, encore pire. Les salles changent, donc en fait on sait même pas ce qu'on sélectionne. Cosmos, je saurais même pas dire si j'ai déjà sélectionné ou pas. Alors qu'est-ce qui... Oh, 3600. Bonjour, je recherche un noob. Game. Ah mais j'ai déjà regardé lui. Je crois que j'ai déjà regardé hein. Ouais, 3900. Putain, ils sont chauds. Malmastro, pas la peine. Game, c'est celui que je viens de voir. Cosmos, déjà vu. Ah, lui, je sais pas. Si, j'ai regardé. Je crois 8 minutes de jeu, j'ai regardé. Oui, c'est celui à 4000. Ok, on se casse. Ah, il y a lui. Non, ouais, voilà. Qui partait. Ah, c'est un Français, tu vois. Ah, parfait! Oh, avec une puissance d'équipe un peu inférieure à la mienne, on va pouvoir jauger le nain en termes de niveau de joueur. Mais j'étais à 22600, donc mine de rien, j'ai... il est parti. Ah, putain, sérieux. Ah, mais si je reste, il y a un mec qui peut rejoindre en fait. Ah mais c'est trop aléatoire, j'ai pas envie de faire attendre 10 minutes. Alors, ah, toi tu me dis rien. Mais si, c'est le mec à... Ah, mec à 18 000. Moussolo, je connais pas, je crois pas avoir regardé. 15 minutes de temps de jeu. Pour une... pas envie de passer un quart d'heure dans le match. Contre une équipe aussi forte. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme salon? Ah! Il est tout seul. 3100. Ah, allez, bon, il faut bien faire un autre match, hein. Et il est parti. Bon, bah, bref. Voilà. Mais là, il y a à nouveau trois. Comment ça se fait qu'il y ait trois. Annonce trois joueurs. Là, il m'en annonce quatre. Mais ouais, il y a personne. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau côté FR? Ah, des salons à 5. Non, oula, d'accord. Des salons où faut créer soi-même ses parties. C'est compliqué.
Ah voilà, il y en a un qui est solo. Un turc. Match de 10 minutes. Pourquoi pas s'il est 3 à 3800. Ouais, bah allez, au pire, tant pis, ça fera un épisode de défaite, hein. Ah, j'aimerais monter à 25 000 GP quand même, pour pouvoir paquer à la fin de cet épisode. Allez, t'as environ 10 secondes pour te décider. Allez, on dégage. On quitte, et ben peut-être tout simplement éviter les matchs amicaux. Ça a pas l'air super bien marché. Peut-être aller du peut-être du côté allant vraiment, mais c'est vraiment juste pour tenter un coup. 6. Donc là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est solo? Non. En bas, ils sont deux. Je crois que c'est même pas la peine d'aller regarder. Est-ce qu'il y a un seul ou un? Non. J'ai vu que les Italiens étaient 14 aussi. Ok, là il n'y a carrément pas de salle. Non. Eh ben non, eh ben du coup, eh ben c'est possible qu'on aille jouer notre tout premier match League. Je vais me faire exploser. On contrôle il y a moyen. Ah, matchmaking selon le classement. Donc ça, matchmaking selon classement, my club. Coopération, combinez vos joueurs avec ceux de vos coéquipiers. Je n'ai absolument aucun coéquipier. Allez au matchmaking. Alors, selon série de notes élargie, aucune. Ouais, niveau de l'équipe, même niveau. Allez, on va rien changer, voir ce que ça donne. J'ai une note de 400, note de courtoisie. Ah, oui, je suis quelqu'un de assez sympa et poli. Ah, du chargement. Ouais, ça charge. Ce serait génial que ça charge quelque chose. C'est la galère, c'est la galère. Ah, ça y est. Bah. Mais ça y est quoi? Il m'a juste mis à l'extérieur en fait. Oh, bonus de fois 1,5. Génial. Faut gagner des gold par contre, sinon ça sera un peu con. Ok, donc là, par contre, faut absolument pas que j'oublie d'en refoutre Eden Hazard, sinon c'est ah bah je l'ai, Hazard tout simplement. Donc c'est tout bon. On va pouvoir y aller avec ça. C'est lui qui avait Hazard. J'ai pas. C'est lui qui avait hasard, je suis con, j'ai même pas. J'ai pas regardé là. J'ai pas regardé le bon côté. Non, ah, je peux pas l'avoir. Oh, mais que. Ah, c'est débile. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Aïe, aïe, aïe. Donc lui, il se retrouve. Donc en fait, on se retrouve avec exactement la même équipe, sauf que. Ah, lui, il a Kolarov à la place de Robertson. Ouais, par contre, lui, il a Hazard, mais il a pas de milieu de terrain. Par contre, oui, Hazard, dès qu'il va toucher le ballon, je vais prendre cher. Ah, ceci dit, j'ai joué contre un gars qui jouait bien Totti. Et il va jouer à droite, donc c'est j'ai Robertson quand même à coller face à. À coller face à Hazard.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Passe. Donc voilà, donc là ça va se jouer au skill complètement parce que niveau équipe on est quand même relativement équilibré. Si au milieu de terrain je pourrais sûrement combiner un peu plus que lui. On va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme. Ok, clairement pas falloir que je m'expose parce qu'il a décidé de faire tourner un peu. Son premier match, ce Celtic Park avait sans doute un look très différent à l'époque, mais l'ambiance elle reste au sommet. Ok, mi récupération. Le match a bien débuté. Allez, on va essayer. Robertson qui cherche la profondeur. Tire derrière. Wijnaldum. Non, elle est très mal donnée. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et lui, et il faut rien. Mais qui, pourquoi? En dribble, c'est bien fait. J'ai rien compris, pourquoi mon avançant n'a rien fait et pourquoi il allait se replacer au milieu de terrain derrière. Il est lancé sur l'aile. Il va se présenter devant le but. Ouais, bien. Le gardien. Bon là du coup c'est du match qui compte. Hein. Là c'est vraiment, j'ai pas envie de... Robertson. Bon, il tient de la merde, il va falloir... Mauvaise intervention, faute là-dessus. Faute de qui? Ah d'accord, c'est bon, c'est pour moi. Robertson. Ok, le ballon devant, on dévie de la tête, mais non, parce que... Pour récupérer lui, son attaquant, il est là. Hein. Eti, la profondeur, bien vu. Et le ballon, ah non, ah, il avait tout piffé. Ouais, ah, d'avoir mal d'expérience. Donc son Eden Hazard, lui aussi numéro 8. C'est bien. Donc je pense qu'on peut, on peut rien changer. Quelle inspiration! Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Boum! Oui, j'avais dit que Robertson face à Hazard, ça allait. Et, oh, par contre, réussite et contrôle quand même, je sais pas. Ah, c'est tellement chaud. Eti. Tellement chaud mais tellement réaliste. En vrai je rage mais je kiffe. Hein. C'est vraiment... Le ballon dans la profondeur. Non, c'est du vrai quoi. C'est... En vrai tu touches le ballon. Si tu essaies de le garder 10 secondes, tu vas te faire fracasser. Et ça me plaît vraiment qu'ils aient pris ça en compte. Ok, c'est de la merde. Kasseldine. Oh, il faut frapper! La passe est précise. Il y a danger. Non, mais. Kasseldine. Non, mais c'est quand même dingue. Ça, par contre, ça rate des contrôles, mais simplissime. Kasseldine! Il prend sa chance! Je suis emballé un peu sur la touche carrée, là, j'avoue. La frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Du coup c'est, je sais pas, ça doit sûrement être mes paramètres hein, qu'on définit ça, mais je joue vraiment ouais, contre un gars qui a dû commencer exactement au même temps que moi, qui est au même niveau avec la même équipe. Ok, donc tes relances dans l'axe très faible, on va les éviter. Le soutien derrière lui. Kasseldine. Non, c'est pas possible. Sérieux, qu'est-ce qu'il a comme espace? Il me la met pas en roulé du droit, il me la met du gauche. Donc comment je suis placé pour me prendre ça? Aïe 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 aïe. Oh mec. Ah, je défends comme un trou de... Un truc... Non mais... Ah, d'accord. Non. Mais... Kasseldine qui récupère ce ballon. Non, ça manque d'application. Wijnaldum. Ça passera sur le côté. Ok, donc là on a le défenseur qui était présent. Ah,
Ah, c'est bon, je récupère le corner. Là, il a mis son crochet beaucoup trop. Ce sera le premier corner du match. Avec beaucoup trop d'angle, je voulais absolument pas le ramener aussi près. Ah, non, dommage, pas pouvoir reprendre ça. La bonne passe. Okay. Oui. Il est servi. Il est bien placé. Bah oui, mais ouais, mais si je mets aussi peu de pressing défensif. Passer réactif, ça va, je vais progresser, hein, je vous jure, là, de vous dire vraiment que je suis un des joueurs les plus nazes que vous ayez vu sur YouTube. Mais j'ai progressé, ça fait très très longtemps, je vous avoue que j'ai pas joué un jeu de foot. J'ai jamais été flamboyant, hein. C'est d'ailleurs pour ça, ouais, que... Ah, oh non, pourquoi à côté? Aïe, aïe, aïe. Ah, dommage. Pour une fois que je trouvais un espace. Ah, allez. Non. Mais c'est... Sérieux, alors là, par contre, je vous mens pas. Sans déconner, j'ai fait une passe en retrait. Au défenseur. Fait une passe en retrait au défenseur. Ça me l'a donné devant à De Rossi. Qu'on m'explique. Aïe, il a mis 50 ans à faire sa passe. C'est un truc tout con. Il a le ballon dans les pieds. Je lui demande une petite passe vers l'avant. Et il m'a fait une cagade monstrueuse. Bon, deux tirs chacun. Sauf que ben, les siens, c'est quand même plus simple. Hein. Je lui ai laissé des boulevards dans la défense. Essayer de revenir. C'est pas impossible. Je le sens pas vraiment extrêmement fort non plus. L'arbitre siffle le coup d'envoi. Faute aussi à l'équipe qu'on manie, hein, tout simplement. Finalement, ils n'ont que deux buts de retard. S'ils arrivaient à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. Le problème, c'est que devant, j'ai rien, chéri. Castledine. Ah, je sais pas ce qu'il a comme frappe. Boum. Ah. Ça cadre, mais ça donnera absolument rien du tout. Ah, ça peut faire partie de la solution. Essayer d'avancer avec la possession, donner le ballon au joueur qui a un poil quelque chose. La passe dans la profondeur. Ok, donc là. Ouais. Passe interceptée. Castledine. Wijnaldum. C'est joué long, attention. Ah non, ils sont mal placés. Ah, j'aurais pu continuer avec les passes en profondeur, mais il n'y a pas eu de bon appel. Du coup, ça a un peu envoyé mon attaque. Non, sérieux ? Eh ben heureusement qu'il est maladroit, parce que là, je comprends pas pourquoi le défenseur n'est pas allé. Ah là, et là, voilà, défenseur, vous faites un gauche-droite. Et il se retrouve complètement au milieu de sa surface, à pas savoir où aller, sauf que l'attaquant, bah lui, il y va, il n'y a aucun problème. Et ce ballon vers ses attaquants. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Ah, c'est ce sentiment de lourdeur du joueur qui est... Peut-être le truc pas très agréable. Castledine. Oh, le bon ballon. C'est une occasion, ça. Ah. Une parade magnifique. Oui, il était bien concentré. Bravo. Ça joue long vers l'avant. Ah.
Ok, clairement on l'a une forcée. Wijnaldum à jouer derrière. Il tire. Et le cadre se dérobe largement. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher de tenter des choses, mais bon, ça ressemble quand même à un aveu d'impuissance. Aveu d'impuissance, c'est tout à fait ça, Darren Tullett. Complètement. Il allonge vers l'avant. Je cherche des solutions. J'essaye de trouver. Dans la profondeur. C'est de faire quelque chose un peu du match, parce que amener le ballon dans la surface en dribble, ça va être assez compliqué pour moi, j'avoue. Non, là le crochet est beaucoup trop court. Pourquoi tu reviens tant que ça? Ah ça y est, il veut jouer pour taquiner, conserver la balle, après tout il mène pour une équipe sensationnelle, donc pas envie de se manger. Relance, côté droit. La longue passe. Ah, il a trouvé le décalage. Non. Il décide d'allonger le jeu. Combiner en 2-3 passes, si ça marche. Dans la profondeur. La frappe. Mais il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Il mouille le maillot, comme vous dites, pour revenir dans le match, mais ça. Attends, il a le même gardien. Hein. Oh, c'est bien joué. C'est bien donné. Il peut centrer. Un corner. Un corner encore, on ne les compte plus. Ah, dommage. Kasseldaï, il est passé devant. Service dans la profondeur. Oh, voici Hazard. Mais ben mine de rien, Hazard, c'est clairement pas le joueur que j'ai vu le plus. Non, on n'a pas le ballon. Sur un malentendu, ça peut marcher. S'il a le ballon dans les pieds, allez, un petit shoot à cette distance-là. Oui, ça pourrait rentrer. Passer sur l'aile droite. Il y a peut-être un coup à jouer. Corner. Tu mets 50 ans à le jouer, ton corner. Le corner est joué court. Ce ballon devant le but. Faut s'appliquer sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. La longue passe. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Défense aux fraises, c'est passé devant tout le monde. J'ai pas envie de m'en manger 3. J'ai clairement pas envie de m'en manger 3. Bon, ça restera à 2. Bon voilà, la première vrai match en ligne qui compte, défaite. Bon, j'ai pas fait trop mauvaise figure techniquement, je suis encore très très mauvais. Oh là là, l'extérieur. Ah bref. Il faut du mouvement, de l'inspiration. Pour eux, ça a été bien trop compliqué. Ah, plus de frappes, mais des frappes de loin, il a essayé de maîtriser un peu plus. Niveau possession, Alde pris les devants, mais ouais. On se retrouve très vite. Ça va, je pense, ouais. C'est de progresser, je pense. Sur la bonne voie. Il me manquait Hazard devant. J'avoue que celui-là, il m'aurait peut-être fait du bien, mais bon. Bon, Hazard devant, encore faut-il pouvoir l'utiliser. Les level up pour les joueurs. Ouais. Et bon, c'est mangé du moins 40. Est-ce qu'on a gagné des GP? 1170. Vous allez voir que ça va être.
Ah, j'ai gagné un recruteur de championnat français. Ben, on va peut-être pouvoir packer quelque chose. Ah, ça me plaît, ça. Ok, donc là, je peux rien modifier à mon manager. Et 29 000. Mais ça monte tout seul, en fait. J'étais à 23 000. Hop, on va voir ce qu'on a dans les historiques. Eh ben, on a gagné. On a gagné 100 pièces My Club. C'est pas vilain, on va les cumuler. Ah, cumuler ou je prends un troisième de Liverpool? Qu'est-ce que... Ah, non, faut que je... Ouais, faut peut-être que j'arrête d'être trop gourmand. Ah, putain, ouais, mais non, hein. Ah, troisième de Liverpool, ça tente quand même carrément. Ah, bon. Déjà, on va utiliser notre recruteur. Donc, championnat français. Tribu 2, rien. Attends, championnat français, Ligue 1, Ligue 2. Ouais, on sait pas, hein. Allez, on le tente et on va voir ce qu'on va choper. Donc là, sans surprise, ça va me désigner la France. Un joueur blanc. Ah, ouais, ben Guingamp, quoi. Un joueur de Ligue 2, voilà, tant pis. Koita, un défenseur central. Je vois ici s'il peut se placer tout simplement dans mon équipe actuelle. Bon voilà, et ben on va essayer d'effacer la déception avec un agent à 25 000. Donc pack de collection. Qu'est-ce que c'était ça qui coûtait? Donc c'est une star de ligue anglaise. Ok, le super agent, qu'est-ce que ça coûte? Ah ouais, ça coûte 25 000, mais pour aller chercher... Ouais, mais non, ouais, j'ai envie de faire du random quand même, hein. Ce serait quand même dommage. Allez, on tente. Consulter le profil. Ok, donc il y a 30... Y a... Ah, bah, minimum un joueur argent, ça me plaît. On va pas regarder ce qu'il y a de dispo. On va payer avec des GP. Allez, on espère en paquer un gros joueur pour compenser mon petit niveau, j'en ai besoin. Ok. Ah bah oui. Ça on a vu. Ok, dommage, c'est un argent. Oh, un gardien! Adrian, eh ben je prends. Eh, c'est le remplaçant Liverpool en fait. Yes. Bon ben un gardien à 78, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu aussi être bien pire que ça. Je vais me retrouver avec un gardien. Voilà, ça c'est. Et je gagne des GP pour avoir dépensé des GP. Eh mais c'est pas fini! C'est vrai? Deux défenseurs centraux? Eh ben parfait! On se retrouve carrément avec un gardien et une défense centrale complète. Ça, c'est vraiment pas vilain. Ça, je suis très content. Et allez, je vais me faire un petit kiff. Parce que a priori, ouais, j'aurais pas le droit d'en avoir un de plus. Allez, je veux mon troisième joueur de Liverpool, parce que j'adore ce club. Et derrière, on essaiera d'accumuler les pièces My Club. Ah, j'espère un Firmino. Je veux un élément offensif là, parce que là, s'il me sort Van Dijk maintenant, alors que je viens d'avoir ma défense centrale correcte, ça m'embêterait vraiment. Alors, qui c'est? C'est un joueur noir. C'est un gardien. Et ben voilà. Autant j'avais pas pensé au gardien, mais du coup, voilà, je me retrouve avec les deux gardiens de Liverpool. Ah, je vais pas vous cacher que je suis un poil déçu quand même. Disons que c'est... J'avais pensé juste au défenseur central, mais j'avais pas pensé que je pouvais avoir mes deux gardiens. La paire de gardiens de Liverpool au GF38. Bon, eh ben, je me retrouvais encore avec une attaque relativement moyenne, mais bon, par contre, j'ai l'un des meilleurs gardiens du jeu, on va dire que ça compense. Donc, je n'ai plus de pièces My Club, je n'ai plus de GP à dépenser. Eh ben, s'arrêter...
sur ce pack, il y a un historique. Je vais gagner un entraînement tactique. J'aurais préféré qu'il me donne des pièces. Et ben voilà. Et ben pour le prochain épisode, je modifierai. Non, je vais pas retourner au menu principal, carrément pas. Je modifierai l'équipe, je mettrai ma nouvelle défense centrale, le gardien. Et puis on attaquera le troisième épisode avec une équipe bien renforcée quand même. À des postes clés. Parce que bon, défense très perméable et le gardien un peu aux fraises par moment. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cet épisode 2. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, un petit pouce, ça ferait plaisir. Un abonnement, ça serait top. Et un partage, ça serait vraiment exceptionnel. Et je vous dis au prochain épisode. Ciao!